grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le grand retour de quelqu'un qui fait ses adieux avec les dernières dates de son spectacle Adieu hier, enfin pas adieu définitif. Hein. Adieu de Jazé, oui. Adieu au théâtre de Jazé, Fabrice Éboué. Une grosse tête qui préfère vive demain à adieu hier, Michel Bernier. Bonjour. Une grosse tête qui va devoir annuler son mariage en Corse, vu que là-bas on ne trouve pas de témoins. Christine Bravo. Bonjour. Une grosse tête qui vote Antoine Duléry tous les soirs au théâtre, François Berléand. Une grosse tête qui va réaliser son grand chelem à lui sur les questions, Paul Elkarat. Et une grosse tête qui a trouvé un nouvel appartement au théâtre des Bouffes Parisiens, Stéphane Plaza. On est content de retrouver Fabrice Éboué. Bah moi aussi, je suis content de vous retrouver. Combien de dates il vous reste à faire au théâtre de Jazé? Ah, on est jusqu'au 16 avril. Ah, jusqu'au 16 avril. Ah, bon, voilà. Vous avez le temps de venir nous revoir d'ici là. Alors regardez votre vieille copine Christine Bravo. Bah oui. Elle n'a pas changé, hein. Et puis elle rend hommage à Jean-Pierre Coff avec ses lunettes, ça fait plaisir. C'est vrai que... Alors depuis qu'elle va se marier, elle est toujours en blanc. Hein. Et encore, vous n'avez pas vu enlever sa perruque. Ne me faites pas chier, parce que nous les Corses, on ne se laisse pas faire. Mais vous n'êtes pas Corse, c'est nouveau, ça, vous êtes Corse maintenant. Oui, à partir du moment où je suis résidente, je suis Corse. Mais vous n'êtes pas encore résidente. Si, je suis résidente Corse. Voilà. Vous l'avez acheté la maison? Oui, j'ai acheté une maison, mais je suis... Elle est où exactement? Eh bien ça... Elle a caché mon colonna. Je ne parle pas. Bah, si on voit une péniche garée devant, c'est là. N'empêche que moi, sinon. Ah oui. Regardez, j'ai acheté, vous connaissez tous l'enseigne qui s'appelle Mano Mano. Non. Alors voilà. Non, moi je ne connais pas. Mano Mano. Ah oui, main dans la main. Non, c'est une enseigne, c'est une sorte d'Amazon, mais français. Donc oui, sinon, ça serait main dans la main. Je commande un salon de jardin. Un peu moins cher en Espagne. En Corse. Et alors là, il n'arrive pas, dis donc. Bah oui. Alors j'appelle, aimablement, comme d'habitude. Ouais. Allô, Mano, c'est bravo. Livraison GSL, vous connaissez. Et là, on me dit, votre colis, tracking, c'est il bien est parce qu'à chaque fois, il dit, vous connaissez pour se rassurer, mais personne ne connaît. Si, GSL. Et alors là, je suis là. Mais pas prendre votre voix plus, je sais pas comment dire. Non. Ouais. Parce que nous, les Corses, on parle comme on veut. Mais t'es pas con. Et donc, incroyable. Nous, les Corses. Non, mais c'est nouveau, mais... ça. Non, mais si c'est ça, le Corse, je me dis solidaire. On me demande de taper mon numéro de trekking pour savoir où est mon colis. Et le numéro... C'est quoi, un numéro de trekking? C'est français. Oh, ouais. Le numéro de suivi. Oui, bah, parce que c'est une marque française. Mes numéros de suivi. C'est terrible, demande... Laurent, parce que... Qu'est-ce qu'il y a besoin du numéro de Stevie, là-dedans? De suivi. Et là, on me demande le code postal. Et je rentre 20, et je vous dirai pas les trois autres chiffres. Ouais, on peut trouver. Hein. Oh, elle est pas con, elle est pas con. Hein. Et là, on me dit, inconnu, ce numéro de département n'existe pas. C'est comment ça? Alors, je prends mon téléphone, j'appelle Mano Mano. Qui répond en espagnol. Oui, j'appelle GSL. Alors oui. D'accord. Toi, t'as réussi à voir tous ces gens parce que normalement, on n'arrive pas à les avoir. Ouais, bah, au bout de 17 heures. Ah, voilà. Ouais. Ah oui, il faut avoir du temps. Ah, bah oui. Et alors là. C'est passionnant, hein, François. Ouais. Bah, on parle. En parlant de 17 heures, il est déjà 17 heures. Je vais vous dire pourquoi nous, les Corses, ça peut pas aller. Parce qu'ils ne livrent pas en Corse. Et je me retrouve avec un salon de jardin dans mon appartement à Paris. C'est terrible, ça. Yeah.
Ce qui est inquiétant quand même, parce que quand on va en Corse, il faut faire participer les Corses. Mais oui, pas acheter en Corse. Pourquoi t'as acheté en Espagne? Non, j'ai pas acheté en Espagne. Mano Mano, c'est pas français. Alors je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas acheté en Corse. Mais tu parles déjà de... Tais-toi, parce que c'est... C'est 4 fois plus cher. Il faut faire participer la Corse. Non, c'est dégueulasse. Tu vas sauter tout de suite, toi. 4 fois plus cher des produits que vous, les Français, vous avez à des prix normaux. Est-ce bah, qui mais tu parles déjà dans un putain de micro, alors arrête de gueuler en plus. Il a raison, El Karat. C'est terrible. En tout cas, ça va changer. Mais de toute façon, moi, un salon... Corse, oui. Je vais faire livrer en Corse tout qu'est-ce qu'on veut. De toute façon... Attends, Laurent, j'ai deux, trois choses à dire sur la Martinique. Elle parle bien après, français. Ouais, la Martinique, ouais, la Martinique. Moi, j'aimerais bien parler de l'île Saint-Louis. Dites, en Corse, votre salon, il est en plastique. Elle parle de sa corps. Mettez-la en veilleuse parce que j'ai des amis. Et tu fais les accents et tout. C'est terrible parce que j'acceptais de revenir en me disant il n'y a plus Pierre Bénichoux, il n'y aura plus d'histoire sans chute. Et c'est Christine qui a pris le relais. Et encore, vous êtes un jour où Sébastien Thoen n'est pas là. Vous êtes chanceux. Bon, pour les questions et les réponses, vous inquiétez pas, on a le petit Paul El Karat qui est là. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il va vous surprendre. Ne serait-ce qu'avec les citations qui vont venir, pas forcément la première, là c'est un grand classique, vous devriez pouvoir l'identifier vous-même pour Éric Béranger qui a dit « Il y a une grande différence entre le peintre Goya et la chanteuse, le premier ne se moquait pas des enfants d'imbéciles et il lui arrivait de chanter en travaillant. » Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Michel Bernier.